Aujourd'hui, on va déposer le disque de frein et aussi le roulement. Voilà. Ça s'est fait pour empêcher que la roue tourne du coup. Donc là, une fois que ça s'est parti, le disque, on peut l'enlever. Pour enlever le roulement, il y a trois vis à défaire. Là. Il y en a une ici, une autre là-haut, troisième derrière là. Donc ça, c'est du 12 pan. Je crois que c'est du 13 mm, il faut absolument avoir une douille 12 pans, sinon c'est mort, vous pouvez pas les sortir. Quoi. Donc, je vais essayer d'enlever la coupille. Hop, on va le casser. Bon, ça c'est fait. Le disque. Un tournevis. Tu déposes les roulements, les armes régulièrement, en fait ça vient relativement facilement. Après. C'est peut-être un peu grand. Pour sortir le. Pour sortir le. Mais comme je vais pas les réutiliser. Pourquoi c'est important de remonter avec un peu de gras comme ça. Ça se démonte plus facilement. On va nettoyer un peu le filetage avant de remonter. L'anti-grippant ici. Il faut que ça soit bien bloqué parce que